Donc, 92e édition, hein, je considère ça comme un succès, compte tenu de l'incidence de la pandémie, et là on remonte l'escalier, compte tenu des difficultés qui ne sont pas liées à cette maison, mais dont on a subi les effets, je pense à la grève du tram, je pense aux travaux que la mairie n'a pas effectués, qui nous a obligés à neutraliser une partie du bâtiment, donc pour nous c'était une véritable entrave à l'exploitation. Les visiteurs étaient au rendez-vous, ça c'est la grande leçon, les gens sont venus avec plaisir, vendredi soir plus de 18 000 personnes, vous voyez, c'est assez extraordinaire. Les gens étaient manifestement frustrés de ne pas faire la fête, là ils l'ont faite. Il y a eu beaucoup de monde. Les stands, je veux dire historiques, ceux que tout le monde connaît, que les gens viennent retrouver, ont bien travaillé. Les nouveaux, c'était de la découverte. Hein. Mais moi, j'en tire le constat de la fidélité, hein, de nos visiteurs à leurs fournisseurs, aux endroits où ils aiment aller déjeuner, faire du picking, acheter, et reviennent. Donc, la foire vise toujours sur le même trend d'habitude locale, hein, c'est très important, ce qui prouve qu'elle est bien, elle est totalement ancrée dans les mœurs, c'est important. La foire a permis une fois de plus d'illustrer les valeurs de cette maison. Vous savez que ce n'est pas le profit, contrairement à d'autres, qui guide cette maison. Cette maison elle est guidée par l'intérêt public, l'intérêt de la communauté, et on l'a vu à la programmation. Une programmation où on a retrouvé évidemment nos grands classiques, l'Amicale des cuisiniers, mais l'Amicale des cuisiniers au service des jeunes espoirs, au service de la Fédération de chasse, au service de la Banque alimentaire. Vous voyez, on est dans notre cercle vertueux. La foire est un podium qu'on met à disposition d'associations qui ont besoin de reconnaissance ou tout simplement de relations publiques. J'évoquais tout de suite la banque alimentaire, c'est précisément le cas de la banque alimentaire. La banque alimentaire a besoin d'exister pour créer une relation avec l'industrie agroalimentaire locale, avec la grande distribution, avec les particuliers qui font des dons, et il n'y a pas de meilleur podium que la foire de Dijon. Donc on a relancé avec Nadine ce que j'avais fait il y a quelques années, et je suis ravi parce qu'on a actuellement un président, Laurent Brondel, de la Banque alimentaire, qui souscrit totalement à notre vision des choses et qui a bien évidemment accepté de renouer avec ce qu'on a fait dans le passé. Donc, toutes les valeurs que nous portons ont été respectées, la promotion des métiers de bouche. Hein, en passant, il n'y a pas que des cuisiniers, mais il y a les gens qui sont dans les salles. Hein, tout ce service de salle, c'est important. On a étendu, Nadine a tenu à ce que les arts de la table soient représentés. Donc, on a mis en avant une profession, on a mis en avant des métiers, des savoir-faire, on a mis en avant des écoles comme Saint-Bénigne. Oui, on est vraiment le rôle social de cette maison, et j'insiste là-dessus parce que d'autres options pourraient être tout à fait contraires. Hein, une optique de profit ne me choque pas, hein, je suis un ancien chef d'entreprise, mais justement, il y a une différence fondamentale entre nous et d'autres, c'est que nous, on est dans la satisfaction des besoins de la communauté. Si je vais dans le même esprit, je vais prendre un autre exemple. Vous savez qu'on a deux activités, le parc des expositions, nous sommes pour l'instant, et le palais des congrès. Le palais des congrès, il y a des opérations que nous faisons dans l'intérêt public. Il y a une entreprise qui veut réunir des cadres, des clients, qui a une présentation à faire, qui nous loue une salle pour une demi-journée. D'autres qui sont dans un contexte mercantile et de profit refusent ce genre de plaisanterie. Hein. Ben, nous, on le prend, parce que ça correspond à un service qu'on doit à la communauté industrielle et commerciale locale. Hein. On en fait notre affaire. Ça ne gagne pas d'argent, on évite d'en perdre, parce qu'on reste quand même de bons gestionnaires, mais on tient à ce que le service soit rendu. Moi, mon inquiétude, elle est aujourd'hui du retour que les exposants m'ont fait spontanément, en m'accrochant dans les allées, en me disant, Monsieur Bateau, nous, GL, on sait qui c'est.
Ils ont tué la foire de Caen, ils ont tué la foire de Troyes, mais c'est pas bien, Strasbourg est pas beau. On nous change de place, on nous fait payer plus de 25% les emplacements. Tout ça c'est la crainte des exposants. Les exposants, vous savez, je reprends un aspect plus commercial et marketing. La billetterie, c'est 8% de nos revenus. Le reste, c'est les surfaces que nous louons aux exposants. S'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'exposants. Mais s'il n'y a pas d'exposants, il n'y a pas de visiteurs. Donc, on est très respectueux des intérêts bien compris, aussi bien des visiteurs que des exposants, avec un peu de calinothérapie, c'est-à-dire que bien que les emplacements ne soient pas attribués à vie, mais on respecte les emplacements, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a une clientèle fidèle qui va naturellement à certains emplacements pour retrouver son fournisseur de champagne ou d'autres choses. Et puis, on a une politique tarifaire qui fait que ça rend les choses possibles. Vous avez pu voir, il y a des stands de quelques mètres carrés, des gens qui assurent la promotion de leurs produits. L'an dernier, on avait ce Brésilien extraordinaire qui a créé une affaire d'épices, qui a pu faire sa promotion à la foire. Cette année, il y avait un Iranien avec des produits extraordinaires. Je connais très très bien les produits, les fruits iraniens, parce que c'était dans mon métier. Les fruits iraniens sont contenus d'ailleurs... une des rares bonnes choses que je connaisse de l'islam, mais ils n'ont pas le droit d'alcooliser, ils n'ont pas le droit à certains rajouts, et vous avez des produits d'une très grande pureté. Je vous conseille d'essayer, s'il n'a pas encore fermé son stand, ces petites figues. Vous savez, c'est des figues sauvages. Il y a un moment, c'est dans les collines, il y a un moment, le figuier a besoin d'eau. Il reprend l'eau qu'il a mis dans les fruits. Et c'est une dessiccation naturelle. C'est donc des figues qui ne sont pas passées au four pour être séchées. Comme des pruneaux d'Agen, si vous voulez. Hein. Et il y a une série de produits de ce genre, d'extrême qualité. Et ben, moi, je suis content, le gars, il a 4 mètres ou 6 mètres carrés, ben, il pouvait se payer sa promotion, sa commercialisation chez nous. Donc, c'est une vraie satisfaction. Je pense avoir dit l'essentiel. Je vais peut-être laisser la parole à Nadine, parce que... Moi, je pense que vous avez bien résumé, effectivement, notre... Non, je pense que Monsieur Bateau, vous avez bien résumé effectivement notre foire. Notre foire, c'est avant tout la convivialité et le plaisir de s'y retrouver, quoi. Et c'est vrai que nous, notre plus grande satisfaction, effectivement, c'est quand on entend des exposants qui nous disent « Mais moi, ça fait 50 ans que je suis à la foire, mon père était déjà exposant, j'ai pris le relais et voilà, la foire de Dijon, vous m'avez donné l'opportunité de rencontrer tous les ans mes clients et mes clients fidèles. Beaucoup m'ont dit, mais nous, on a 80%, plus de 80% de nos clients qui sont des clients fidèles, qui nous attendent. Et ça, pour nous, c'est une plus belle satisfaction parce que on privilégie avant tout l'intérêt de l'exposant, ne pas le changer d'emplacement, lui conserver toujours son emplacement pour que ses clients puissent le retrouver. Et comme dit Monsieur Bateau, effectivement, moi, je me promène moins dans les allées que le service commercial qui a fait un très beau travail et je l'en remercie. Mais même à moi, effectivement, j'ai senti l'inquiétude de nos exposants qui nous ont montré cette année vraiment tout l'attachement qu'ils avaient à la foire et l'attachement aussi au personnel. Hein, je veux dire, voilà, ils sont en grande partie, là, Tatiana n'est pas là, mais je vois qu'Hervé est là, Frédéric, Victoria, Camille, François. Et c'est vrai, ils m'ont tous dit, mais vous avez une équipe formidable. Et bien sûr, quand ils me disent ça, ils comparent avec d'autres foires. Et c'est vrai que nous, notre disponibilité avec M. Bateau, ça a toujours été notre leitmotiv. Nos exposants, c'est pas simplement que des clients. Nous, nos exposants, bien sûr, qui nous font vivre, mais on a besoin d'eux, on a plaisir à les retrouver et on a plaisir à les satisfaire. Je ne veux pas dire quoi qu'il en coûte, parce que, comme dit M. Bateau, on est une entreprise, on est une belle entreprise, hein, l'association existe depuis 1921, elle est encore présente aujourd'hui, hein, malgré le Covid qui nous a sérieusement fait mal. Hein, je veux dire, on a perdu en 2020, beaucoup d'argent, le but n'est pas de citer des chiffres ici, mais on s'en est remis du Covid. On s'en est remis grâce à la santé financière de notre entreprise,
grâce à tous les collaborateurs que je tiens encore à remercier aujourd'hui, parce qu'aucun n'a fait défaut. Je leur ai demandé à tous, et ben effectivement, pendant les périodes de Covid, d'être en activité partielle, hein, d'abandonner leur poste, sachant qu'il nous fallait quand même préparer l'avenir, parce que... Mais aucun de mes collaborateurs ne m'a dit « Ben non Nadine, mais nous, c'est compliqué pour nous ». Non. Ils m'ont tous suivi, ils nous ont tous suivi avec M. Bateau. Et la plus belle des satisfactions, ça a été de sortir du Covid. L'activité a repris. On a tous repris notre poste. Nos clients ne nous ont pas abandonnés, parce qu'on parle aujourd'hui des clients de la foire. Mais je tiens aussi à remercier tous les clients du Palais des Congrès, tous nos clients fidèles, qui ne nous ont pas abandonnés, qui nous ont soutenus, qui nous ont marqué, même pendant le Covid, leur confiance avec des messages de soutien. Et ça, ça fait chaud au cœur, parce que bon, aujourd'hui, on vit une période un petit peu difficile. J'ai un peu de mal à cacher mon émotion, mais mon émotion, je la partage avec tous mes collaborateurs qui sont inquiets. Aujourd'hui, moi, je me dois de ne pas leur montrer mon inquiétude, bon, même si je pense qu'ils la sentent. Mais encore une fois, je tiens encore à les remercier d'être à mes côtés et puis de faire face aussi, même dans cette période qui est un petit peu compliquée. Mais voilà, c'est la force de Dijon Congrès Expo. Hein, c'est ses collaborateurs, mais c'est aussi ce qui anime notre entreprise. On est attaché à Dijon Congrès Expo, on est attaché au travail que l'on fait, je dirais à la passion que l'on met au quotidien à notre mission et aussi à l'attachement qu'on a envers nos clients. Parce que nos clients, nos exposants, nos visiteurs, on leur doit tout. Voilà. Et ce qui nous anime aussi, c'est d'animer cette belle maison, le parc des expos, le palais des congrès. Parce que comme dit M. Bateau, le service public, on l'a chevillé au corps, la mission de service public. On sait ce que c'est que, voilà, on a affronté beaucoup de... Ben, c'est pas tout le temps simple, hein. On a un outil qui est vieillissant, mais auquel on est quand même attaché. Hervé peut en témoigner. On rafistole, on bricole, mais voilà, mais on en tire le meilleur de cet outil. Parce qu'encore une fois, parce qu'on est, quelque part, je pense, les meilleurs. Et j'ose le dire aujourd'hui, et merci à toutes les équipes. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier la presse, moi, parce qu'on a eu une couverture exceptionnelle pendant le temps de la foire. Tous les moments forts ont été traduits par vous. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. C'est vrai qu'on a eu une foire dense. Hein, toutes les manifestations, il y avait une activité quotidienne, des choses, des manifestations intéressantes, que ce soit la journée de Bernard Loiseau, Vinnie Divio, et j'en passe et des meilleurs. Le concours de Chardonnay Pinot Noir, qui était un véritable succès, qui était vraiment intéressant. On a réuni, d'ailleurs hier soir, au cours de la Paulée de Dijon, une série de sommités en matière de vin. Donc, on a enchaîné les succès, mais c'est pas tout d'avoir des succès. Et encore faut-il qu'ils soient relayés. Et très sincèrement, je vous remercie tous en bloc, hein, parce que il y a le savoir-faire, mais il y a le faire savoir, qui est au moins aussi important. Et le faire savoir, c'est vous. Et là, vous nous avez grandement aidés. Merci beaucoup. Et je me livre. On se livre à vos questions. Chiffré. Mieux que l'an dernier. Voilà, on a pas en progression par rapport à l'an dernier. À l'instant T, j'ai pas le chiffre parce qu'il y a encore des gens qui sont encore dedans. Mais d'ores et déjà, on peut affirmer qu'on a dépassé le chiffre l'an dernier. Alors, l'an dernier, vous nous aviez donné un visiteurat dès le dernier jour. Oui, mais alors le mieux, c'est plus 5, plus 10. Oh, ben, je pense qu'on sera plus 5, entre plus 5 et plus 10. Oui. Plus 10% par rapport à l'année dernière. Oui. Entre 5 et 10, oui. Ceci dit, vous savez, je vous rappelle à chaque fois, le nombre de visiteurs n'est pas le critère unique. Hein, j'en vois d'autres. Il y a la satisfaction des visiteurs, la satisfaction des exposants. Et la chose que je ne connais pas, que je peux supposer, c'est le chiffre d'affaires réalisé.
Alors, évidemment, on n'a aucun moyen de contrôle sur le chiffre d'affaires réalisé, que ce soit dans la section meubles, dans la partie gastronomie ou ailleurs, mais la satisfaction des exposants est un moyen de l'apprécier. Donc, c'est vrai que le nombre de visiteurs, mais il faut le mettre, c'est un ensemble d'éléments qui nous permet de caractériser si la foire était une réussite ou pas. Le nombre de visiteurs est un point, satisfaction des exposants, satisfaction des visiteurs et le chiffre d'affaires. Hein. Et vous savez que le chiffre d'affaires qui se passe en 13 jours dans cette maison se compte en millions de francs. C'est extrêmement conséquent. Cette année, Vinilivio était gratuit. Oui. De quelle façon ça a influencé la fréquentation ? Là, on n'a pas encore eu... Je ne saurais pas vous répondre. L'idée était que de rendre les choses accessibles. Hein. Vinilivio nous est venu d'une inspiration de ce qu'on avait vu au Salon del Gusto à Turin, hein, où les gens achètent un verre et passent dans deux salles où il y a des bouteilles disponibles et ils achètent des carnets de tickets. Ils achètent des verres avec les carnets de tickets et ils achètent, alors il y a une possibilité énorme de dégustation, ils achètent, il y a trois plats qui sont servis, des spaghettis, du risotto, je ne sais plus quoi. Et puis une deuxième salle avec les vins de dessert. Les vins de dessert, alors les vins de dessert, c'est le monde entier. Hein, ça va du Cap en passant par l'Allemagne, par l'Italie, la France avec tous les châteaux Yquem et tout ce que vous voulez. Et là, il y a profusion de desserts, tous les desserts italiens. Donc on avait pris cette idée-là et en se disant, on va faire quelque chose pour les Happy Few au travers de Vinilivio. Puis cette année, on s'est dit dans l'inspiration du concours, cette volonté d'élargir, d'ouvrir, puisqu'on a dépassé largement les frontières de la Bourgogne, il y avait 15 pays représentés dans le concours, il faut rendre les choses accessibles. Nadine m'en a convaincu, c'est pour ça que, de toute façon, ce n'était pas un centre de profit, si je vous parle très franchement. Donc, c'était une façon de canaliser la foule. Ben là, on l'a rendu accessible. Manifestement, ça n'a pas posé des problèmes d'accès et les gens ont pu en profiter. Alors, j'ignore à l'instant où je vous parle les affaires qu'ont pu réaliser les exposants de Vinilivio. J'espère que. Je suis passé tout à l'heure, ils étaient toujours là, donc c'est qu'ils ont dû faire des affaires. Deux très belles journées vendredi samedi. Madame Bazin, tout à l'heure, vous parliez de la femme, monsieur Bazin. Vous faisiez part de votre inquiétude, de votre émotion par rapport à cette édition. Et est-ce à dire par rapport à cette émotion, cette inquiétude que vous avez tous les deux, que vous avez le sentiment que les dés sont déjà jetés pour la suite? Non, c'est... Peut-être. C'est on n'en sait rien. On en sera forcément les derniers informés, vous doutez bien. Parce que l'échéance approche, donc voilà, c'est une inquiétude qui est... Non. Quand est-ce que vous aurez l'info? Alors l'info, elle nous viendra à la suite du conseil municipal du 5. Mais après, elle nous sera notifiée, trois jours après. J'ai conscience d'avoir... que nous avons donné une très très bonne copie. Oui, là vous avez un peu repris les arguments que vous avez mis dans votre copie en défendant l'économie locale. Oui. Bien sûr, c'est une évidence. On défend l'économie locale en assurant la promotion, comme je l'expliquais tout à l'heure, et surtout en passant, nous pour le fonctionnement de cette maison, commande à toute une série d'acteurs locaux. Puis il y a tout ce qui est induit, hein, c'est les traiteurs, les restaurateurs, l'hôtellerie, les taxis, le commerce de centre-ville. Tout ça, c'est ce que nous générons. Vous savez, on avait fait le calcul, la foire, vous savez, un congressiste, on compte 150 euros par journée, entre sa chambre d'hôtel, ses repas, taxi, ainsi de suite. La foire, c'est, je fais simple, une foire normale, c'est 600 stands. 4 personnes en moyenne par stand. Sur 13 jours, ben ça fait 6 millions. Alors, toutes ces comptabilités-là, on s'est toujours livré à l'affaire pour les congrès, mais la foire, c'est comme un gros congrès avec beaucoup de monde. Hein. Donc, là, je sors de la notion des visiteurs, les exposants,
mobilise l'hôtellerie locale de façon conséquente, et puis utilisent des taxis, vont en ville, font des achats, bon, qu'importe, ils dépensent leurs 150 euros par jour. Ben, ça, rien que la foire rapporte 6 millions. En chiffre d'affaires à lui, vous avez compris. Et pensez à tous les gars, toutes les entreprises locales qui ici ont tiré du câble, déposé de la moquette et fait fait la promotion de la publicité de l'événement. Ça fait beaucoup de gens qui ont travaillé. Donc c'est forcément, ce serait très dommage que cette manne n'aille plus aux locaux. Ce serait pour moi choquant. D'ailleurs, pour ça, tout à fait entre nous, je ne comprends pas forcément l'attitude de la chambre consulaire à ce sujet. Mais ça, c'est... Merci. Merci à vous. Il y a peut-être d'autres questions. Il y a peut-être d'autres questions, David. Non, vous savez tout. Au micro, M. Bateau, on va faire ça. Vous voulez que je vous le rende ? Merci beaucoup. Bonjour, et bien aujourd'hui c'est le final, la grande dernière ici à la foire de Dijon. Et en face de moi, un ami, Pascal Mur, que j'ai vu à chaque fois que j'étais là, sur son stand. Je lui ai laissé la parole, il va nous dire un petit peu son ressenti sur la foire et puis nous parler de ses produits, parce que regardez un petit peu tout ce qu'il a comme produit. C'est pas beau ça ? Et en plus de ça, une petite chose, il vient d'avoir le Petit Futé 2023. Donc je lui laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Eh bien, le ressenti de la foire de 2022, c'est un ressenti plutôt positif, malgré qu'elle était très longue, puisqu'il y a 2 jours de plus que certaines années. Alors forcément, avec des journées un petit peu plus creuses en milieu de semaine, mais ce qui est tout à fait normal, avec des belles soirées festives. Je pense qu'on a eu une belle clientèle en journée, et puis des gens, des Dijonnais qui venaient un petit peu plus faire la fête le soir. On était là pour répondre à leurs attentes, avec, ma foi, quand les gens viennent prendre un petit verre pour l'apéritif, on est toujours là, et puis quelque part... ils aiment bien. C'est un rendez-vous en nocturne de fidèles de Dijonnais qui sont contents de nous retrouver, ne serait-ce qu'une fois par an, autour d'un verre de Bourgogne. Alors, nous, on est viticulteurs, quand je dis nous, parce que je travaille avec mon épouse et notre fils, Fabien, qui est installé avec nous depuis 2012. Donc, on est installé à Volnay, donc Côte de Beaune. On travaille sur 9 hectares de vignes, Pommard, Volnay, Montlis, Beaune, en village, en premier cru. Et puis, quelques régionales, Bourgogne-Côte d'Or, depuis quelques années maintenant, avec une belle appellation Côte d'Or. Et des Hautes-Côtes de Beaune, en blanc, en rouge. Voilà. Comment on fait pour nous retrouver ? On nous retrouve à la maison, évidemment. On fait une porte ouverte au mois de décembre à la maison avec un marché de producteurs. Donc ça sera le week-end du 10... Tu veux que je leur fasse ? Non. Donc ça sera le week-end du 10-11 décembre. Et avec un marché de producteurs, il y aura du vin d'Alsace, il y aura du Pinot des Charentes, il y aura du champagne. Tout en direct, évidemment, avec le producteur qui sera présent ce jour-là. Et il y aura aussi des vins du Mâconnais, il y aura des foie gras de Pascal Lapré, de la viande, il y aura les liqueurs de Gilles Joannet, enfin voilà. Et de la déco avec Cadreyev pour faire nous montrer des bonnes idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. On l'avait déjà fait l'année dernière, c'était plutôt sympa. On a l'association Tous avec Paul, pour l'handicap de Paul, qui est une association sur Beaune, qui viendra, qui nous fera des œufs en murette, et puis des gaufres, et voilà. Donc, petite restauration sur place pour une bonne œuvre. Donc, ça peut être aussi très, très sympathique. Et pour revenir sur la foire de Dijon, c'est la 30e année déjà qu'on est présent sur cette belle manifestation dijonnaise. Et voilà. Merci à vous tous. Merci à toi. Merci beaucoup Pascal. Et puis on peut peut-être saluer Madame quand même, on peut lui aussi lui rendre un petit hommage. Tiens, je te rends le micro. Oui, Madame Mur, 2 secondes. Elle est en train de faire le nouveau Petit Futé 2023, voilà, parce que c'est toujours... Elle est en plein montage, c'est toujours intéressant pour nous, et puis c'est une fidélité, puisque ça fait plus de... quasiment 15 ans qu'on est sur le Petit Futé, et donc de faire perdurer ce beau guide, c'est toujours une valeur sûre d'être sur le Petit Futé, n'est-ce pas ? Exactement. Voilà, tout est dit, exactement. Merci à toi. Merci.
Merci à vous et de tout. Voilà, mais merci à vous et puis de toute façon, moi je serai présente pour le marché. J'y tiens absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à la brasserie de la Marne, la brasserie de mon beau-frère Laurent Godel. Mais en face de moi, j'ai quelqu'un, un de mes amis que vous connaissez beaucoup déjà, parce que vous l'avez vu à plusieurs reprises dans mes reportages. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour la foire gastronomique qui commence demain, le 1er novembre. Donc il va se présenter puis il va nous dire tout ce qu'il fait. Puis alors, je peux vous dire que vous avez intérêt à sortir le papyrus parce qu'il en fait des choses, Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour, comment vas-tu? Je prends le micro? Voilà. Je prends le micro. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que je fais? Donc Yannick Fanet, animateur d'événements, de différents événements, dont la scène des chefs sur la foire de Dijon. Qu'est-ce que je fais en un, les événements, l'animation d'événements. Je propose, j'ai également créé Yannick Fanet TV. Yannick Fanet TV sur laquelle on a quelques reportages aussi divers que multiples. Avec un but, l'émission C'est parti, où on part dans un véhicule différent. Ça peut être une voiture américaine, un vélo, un hélico, un avion, n'importe. Et on rend visite, on rencontre des gens. Et dans chaque émission, il y a un moment de convivialité. C'est les deux points sur la ligne, c'est le véhicule différent et le moment de convivialité. Donc Yannick Fanet TV, l'animation d'événements. Tonton Yannick, la marque Yannick Fanet, qui tourne beaucoup autour de la générosité, de la convivialité, du bon vivre. Tout ce qui est festif. Quand je dis festif, les différents concepts festivités, les échasses, les DJ, les mascottes et tout ce qui est concept à Noël. Et enfin, depuis peu, j'allais dire le club à faire, mais c'est pas un club à faire, c'est le team partenaire. C'est-à-dire que tout au long de l'année sur les événements, j'emmène avec moi différents partenaires, que ce soit la presse, que ce soit des grandes marques, des producteurs, des voilà. Il y a un team partenaire qu'on retrouve notamment sur Facebook. Voilà, c'est tout ce que je fais. Non, les planches. Oui, les planches, donc ça rentre dans la marque Tonton Yannick. Planche à découper d'un mètre cinquante. Le crémant de Bourgogne cuvée Yannick Fanet, élaboré par le domaine Caïtet. Voilà, ça rentre dans la case Yannick Fanet, la marque. Et en plus de ça, je vais vous dire quelque chose, c'est que normalement, on devrait aller visiter les Harley Davidson prochainement. Oui. Ouais, exact, on avait parlé de ça. Il y a deux, trois points que j'avais vu avec toi et je t'avais promis. Et comme d'habitude, je ne tiens jamais mes promesses. Non pas parce que je veux pas, mais j'oublie. Donc ouais, le milieu Harley, le monde Harley, c'est une passion ancestrale de mon frère et moi d'ailleurs, mon frangin, peut-être plus que moi encore. Et oui, on pourrait en effet aller visiter Harley tous les deux, comme convenu. Harley Dijon ou même une association, on peut faire un tour du monde Harley sans problème. Voilà pour me présenter. Alors moi, je vais vous dire un petit secret. Quand j'étais à Paris au cabinet du ministre, j'avais mes petits gars, comme on pourrait dire, qui avaient vu les motos de l'armée et puis franchement, ça ne leur allait pas. Donc ils avaient pu avoir une dérogation pour pouvoir conduire leur Harley et j'étais devenue la mascotte du club Harley de Paris. Voilà, une petite anecdote entre deux. En tous les cas, Yannick, je vais te redonner le micro pour le petit mot de la fin. Parce déjà, que... C'était sympa, c'était bien parti. Ah, mais tu peux parler, on a exactement 1h23 de caméra, donc on peut y aller. Mais je vais quand même te redonner un petit peu le micro. D'ici là, je suis sûre que tu m'as retrouvé une idée. Ah, moi, j'en ai une d'idée. Il n'a pas osé vous en parler. Il fait aussi les Pères Noël. Mais ça, il l'a oublié. Ouais, dans les différents concepts, en effet, je disais, qu'est-ce que je vous ai dit déjà comme concept? Un, l'animation d'événements. Deux, tonton Yannick, la marque Yannick Fanet. Trois, les différents concepts d'animation, DJ et chasse, concept de Noël. Quatre, c'était quoi? Ah, il y a les voitures aussi, les voitures en location, les américaines, les Cox, les hélicos, enfin tout véhicule d'exception. La chaîne Yannick Fanet TV et donc la team partenaire, ça c'est très récent, ça a deux jours. Et en effet, nous allons bientôt dans la... Ouais, ça c'est vraiment... C'est quasiment un scoop, ouais. Nous allons d'abord la foire de Dijon, avec tous les jours l'animation de la scène des chefs pas connus, des chefs très connus, des partenaires là encore, toujours dans la gastronomie, la scène des chefs sur la foire de Dijon, et dans la foulée, les Pères Noël, puisque la foire de Dijon se termine le 13 novembre, et nous sommes déjà tout écalés, les Pères Noël, dont pour la première année, alors il y a les Pères Noël au groupe Laser Game, dans les différents Game Factory,
plus exactement, Game Factory, des Pères Noël un peu partout. Et pour la première fois cette année, le Père Noël de la ville de Dijon. Donc le Père Noël sur le marché de Noël de Dijon, ce sera un Père Noël de Bad Boy Productions. Ça aussi c'est un scoop parce que je ne l'ai pas encore annoncé. Et voilà, donc tout dans le festif, dans la convivialité, dans la bonne humeur, dans le bon vivre, tant sur les événements qu'à la maison, parce que la planche Tonton Yannick ou le crément cuvée Yannick Fanet du domaine Carité, la planche est réalisée par les copeaux de louche, Ludovic Chanois. C'est le matin, hein, je ne suis pas encore tout dans l'ordre. Ludovic Chanois, des copeaux de louche, c'est lui qui réalise la planche, et d'autres intervenants, on les retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Tout autour de la convivialité, et quand vous faites un apéro, un casse-croûte, un repas, la planche à Tonton Yannick et le crément sont à domicile, il suffit de les commander. Et puis voilà, et puis je voudrais faire un petit clin d'œil, parce qu'au fur et à mesure des messages, ouais ok, oui avant la foire, l'interview, tiens ben on fait ça demain, et puis ben non du coup je peux pas, et puis en final t'es où? Mais tu m'as annulé. Ouais mais en fait je suis là. Donc voilà, merci pour la rapidité, et merci pour m'avoir accordé cette interview. C'est l'occasion d'aller voir toutes les vidéos que tu proposes sur ton blog, sur ton site. Le blog, Bonnet. Sur ton blog. Bonnet Ailleurs. Merci Bonnet Ailleurs, partenaire de Bad Boy Productions. Alors moi, il n'ose pas vous le dire, mais moi, je peux vous dire qu'il est d'accord. Il a un petit peu tête en l'air parce qu'il a tellement de choses dans la tête que c'est compliqué. Mais alors, par contre, il est d'une rigueur dans son travail. Il est aussi fidèle en amitié. Moi, je vous en parle en connaissance de cause. Parce que quand j'ai eu des petits problèmes de santé, quand il l'a su, il m'a gentiment appelé pour prendre de mes nouvelles. Donc ça touche. Quelqu'un comme lui qui est à 300% et qui a, allez, une heure pour dormir par nuit tellement il a d'idées dans la tête, moi, je trouve que c'est vraiment important. Et chaque fois qu'il est quelque part, il n'hésite pas à venir avec moi pour me présenter les gens, pour faire beaucoup plus que son travail, parce que pour lui c'est pas du travail, pour lui c'est vraiment quelque chose qui le tient à cœur, il l'a dans les tripes, et moi je voulais le féliciter pour ça et le remercier surtout pour toute cette gentillesse et cette prévenance. Voilà, merci à toi Yannick. On en profite pour saluer la brasserie où on est. La brasserie de la Marne, c'est ton beau-frère, et eh bien écoute, il est très sympa. Très très sympa, on avait fait l'émission avec France Bleu en direct ici dans la brasserie de quartier, et ben, c'est bistrot de quartier pour boire un café, pour retrouver des copains. Ouais, si on peut jouer, hein, y a le PMU, c'est des vraies vies. On peut même manger. Et on peut y manger, alors ouais on peut y manger, j'ai regardé les formules, des tarifs tout à fait corrects, c'est des vrais moments de vie et de convivialité. Un bistrot, c'est là où on refait le monde. Je parle pas de boire et machin et tout, mais juste de casser une croûte, de boire un café, de boire un verre en effet. Ce sont des vrais moments de vie où toute classe sociale se croise et se retrouve. Donc là, c'est la brasserie de la Marne à Dijon. C'est le quartier Auditorium, tout ce petit quartier-là, quartier Clémenceau. Ça fait du bien de se retrouver dans un bistrot comme ça. Voilà, c'était le petit clin d'œil du jour. Eh ben merci à toi Yannick. Alors cette vidéo, en fait, je vais la garder sous le coude parce qu'en fait, je vais la sortir demain pour l'inauguration, en même temps que va faire François Sauvadet l'inauguration. Donc en fait, vous allez la voir demain alors qu'elle a été prise la veille. Mais ça, c'était juste une petite anecdote. Merci à toi, puis bonne journée. À demain. Merci. Au revoir. Merci.